Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Toxos, et on se retrouve pour l'épisode numéro 56, et comme je vous l'avais promis, c'est en donjon, les amis. Donc, franchement, ça va être lourd de chez lourd, et en plus de ça, il y a un abonné qui m'accompagne. Bon, bien sûr, il n'est pas sur Skype avec moi, il est tout simplement sur le jeu, et ça commence très bien. Déjà, une personne qui a live, tout simplement. Donc, c'est un DPS, pas très grave. Donc, le heal qui est avec moi, c'est Lite, donc c'est cet abonné-là que je vous parle. Donc on lui remercie tous de bien vouloir m'accompagner. Ça m'évite de heal comme ça en plus. Donc vraiment merci à toi. Et donc aujourd'hui les amis, épisode spécial donjon. On va passer j'espère bien niveau 57. Donc on va les suivre parce que je connais pas. Enfin je connais ce donjon mais je sais pas exactement où on doit aller. C'est cool, ça a fait que de live. Ça commence très bien, enfin on s'en fout un peu. Tant que c'est des DPS qui live, on a un petit peu rien à foutre. Donc ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver les amis. Et sachez que côté IRL, donc ces temps-ci ça allait pas vraiment. Enfin je sais pas si vous voulez que je parle de mon IRL, mais je m'en fous, je vous en parle quand même. Donc côté IRL c'était pas la grande joie, j'ai envie de dire. C'était pas vraiment l'euphorie chez Auxor. Mais heureusement que ben, ces temps-ci ça va vraiment vraiment beaucoup mieux. Auxor est devenu encore quelqu'un de très 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 heureux dans sa vie IRL. Et j'espère que ça se reflétera sur mes vidéos. Donc c'est tout ce que je peux vous souhaiter pour vous déjà. Et je vous dis franchement, quand on est bien IRL, comment vous expliquer, quand on est bien IRL, franchement ça se reflète sur les vidéos. Généralement on fait des bonnes vidéos, on est vraiment très motivé et tout. J'espère que ça se verra. Donc je sais pas, par contre j'ai pas mis mon recount là, je suis un peu dégoûté. Je sais pas si je l'ai activé ou pas, je vais voir ça, recount toggle. Non je l'ai pas mis, c'est pas grave hein, on s'en fout. On n'est pas là pour faire kikoulol DPS, de toute façon je pense que le moine tank va se charger du DPS, hein, sachant que bah, c'est une des classes les plus cheatées du moment. On a le petit totem qui va bien, histoire de faire profiter mon DPS de zone avec ma petite chaîne d'éclair. Qui va plutôt bien, ça va plutôt bien chaîne d'éclair, les amis, hein, moi j'apprécie ce sort, tout comme ça, quand on fait sans plusieurs. Donc pour en revenir, j'aimerais bien revenir un petit peu sur le champ de bataille que j'ai fait dans l'épisode numéro 54, si je ne m'abuse. Donc c'est parti un petit peu en dérive dans les commentaires. Il y a deux zouzous qui étaient dans ce BG là justement, qu'ils ont retrouvé la vidéo. Donc ils m'ont donné des vues, je suis super content, merci à vous les gars, c'est super cool. Des rageux qui viennent me donner des vues, c'est super quoi, j'ai envie de dire, c'est cool. Et on peut vivre sans eux de toute façon, il y a besoin d'eux pour vivre, hein, c'est clair. Mais en tout cas, ça m'a vraiment fait rigoler. La rage qu'ils ont eu de venir cracher leur venin sur mes vidéos. Ça prouve que finalement, ben, petit à petit, ben, Auxor TV commence à avoir un petit peu de son importance. Commence à être un petit peu connu. Même si je m'en fous d'être connu, hein, je vous dis franchement, hein, ça fait un moment que je vous en parle. Je m'en fous d'être connu, d'être reconnu dans les BG, etc. Franchement, je m'en fous hein, complètement. Je suis pas là pour ça. Mais moi, ce qui me fait surtout rire, c'est le fait que ben, y a des rageux, mais qui... juste parce qu'on fait une chaîne YouTube qui viennent cracher leur venin pour se rendre un petit peu intéressant. Enfin bref. De toute façon, il y en aura toujours des gens comme ça, c'est clair. Malheureusement, j'ai envie de dire. Peut-être que je récupère ma mana parce que je suis un peu. Oum. Mana. Je peux même plus mettre de trucs, de toute façon. Bon, je boive un petit coup par contre après, parce que là, je suis un petit peu à sec, j'ai envie de dire. Donc voilà, par contre, ça m'a. Bon, c'est vrai que je suis pas bon en BG. Hein. Ça, on le sait tous. Hein. Vous le savez tous, mes abonnés, je suis pas bon en BG. Pas besoin de vous le dire, vous avez bien pu voir le gameplay qui était assez merdique, j'ai envie de dire. Mais après, on s'est bien amusé, hein. La vidéo a été bien regardée, bien likée et tout, c'était vraiment pas mal. On était présent pour répondre aux commentaires. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Non, pull pas le boss, je suis en train de boire. Non, mais t'es nul, toi. Enfin, t'es nul. Non, t'es pas nul, t'as juste envie d'avancer, je te comprends tout à fait, j'ai été tank par le passé, je comprends tout à fait ta réaction de vouloir machiner, je suis qu'un DPS en même temps, je suis pas le heal, forcément. Par contre, ce serait bien qu'on trouve un nouveau DPS, quoi. Là, on est 4, ce serait bien qu'on soit peut-être 5, ce serait quand même sympa, c'est un donjon à 5 à la base. Donc voilà, je voulais revenir peut-être sur le BG également, donc je sais pas si je vais en faire d'autres, des vidéos sur les BG, je vous le dis sincèrement, je suis pas bon, ça me... Je m'amuse bien, rassurez-vous, c'est pas là le problème. C'est juste que bah, en fait j'ai l'impression de pas servir à grand chose dans le BG. J'ai l'impression de je sers à rien quoi. Juste m'amuser moi-même. Après vous allez me dire, mais c'est le principal de s'amuser Auxor. Si tu t'amuses pas en faisant tes vidéos, en faisant des BG, ça sert à rien de continuer.
Donc certes, moi je m'amuse bien, même en me faisant défoncer, je m'amuse bien. C'est dommage, enfin c'est con de dire ça, mais c'est le cas. C'est de la plaque, on prend pas. On respecte le, ceux qui en portent, mais il n'y en a pas, donc voilà, c'est cupi. Moi j'ai passé, il me semble, moi je passe, généralement je suis comme ça. Donc je sais pas par contre jusqu'où ce donjon va. Parce qu'il se fait en plusieurs parties. Et celle-là, je sais pas trop laquelle c'est. Donc, pourtant, Dieu sait que je l'ai farmé, hein, ce donjon. C'est clair et net. C'est un des donjons que j'ai dû plus faire avant. Mais avant, le zone entier, maintenant, il est coupé en plusieurs parties. Donc, c'est ça qui est un petit peu dommage, j'ai envie de dire. En tout cas, je pense que ça va être une vidéo, un petit peu longue, je pense. Parce que, ne connaissant pas quand le donjon va s'arrêter, on aura peut-être une surprise. Pardon. Je suis un petit peu enrhumé encore. En même temps, quelle idée, on est en hiver, moi je suis en t-shirt. Ça paraît super logique, j'ai envie de dire. En tout cas, le tank vraiment gère du bulbe, j'ai envie de dire. Il est vraiment très bon. Bon, il est parti, mini, c'est pas grave. Bon, on va se charger tout seul de cette chose là, de ce garde de feu flamboyant. Mais bien, ce qui est bien, c'est qu'il a arrêté de miner pour venir nous sauver. C'est plutôt pas mal. Je vais en profiter pour boire un petit coup. Je bois la santé de tous ceux du groupe là, allez hop c'est parti. Ah la mana c'est vraiment le truc qui maintenant va commencer à être un petit peu chiant par rapport à avant où on était quasiment mana infini. Là ça va commencer un petit peu à devoir faire des petites pauses mana etc. Ce qui est tout à fait normal j'ai envie de dire, hein. C'est normal, on rentre bientôt dans la phase j'ai envie de dire niveau 60 où là ça va commencer à envoyer un petit peu plus sérieusement. Et heureusement, j'ai envie de dire, heureusement qu'on va pouvoir enfin un peu plus s'amuser. Parce que bon, c'est vrai qu'on s'amusait quand même bien dans les autres régions, mais bon. Là, ça va commencer à être sérieux, là, ça va commencer à parler, on commence à avoir du bon stuff. Et c'est vraiment plaisant, quoi. Allez, on va aller dans la prison là-bas, je suppose. Enfin, j'aimerais bien. Si notre ami Tank le souhaite. Parce que c'est un petit peu eux qui guident finalement, c'est un petit peu les guides du donjon, hein, même si c'est moi qui ai le petit truc vert actuellement, c'est quand même eux qui mettent le rythme, etc. J'ai envie de dire, c'est quand même c'est le plus important avec le heal, généralement. C'est pas vraiment la bonne cible, c'est pas grave. Le tank tank bien, donc c'est l'idéal. Oh là là. Peut-être qu'il meurt, ce serait bien. Non, je pense qu'il va mourir avec mon autre. Très grande chance. Oh merde, excuse-moi. Oh, désolé. Désolé. Comment ça? Bon, je respect heal. Comment ça? Ah, il y a déco, d'accord. J'ai l'abonné qui a déco. C'est triste. Très triste. Il va revenir, je suppose. Il va pas non plus nous laisser. Hop, on ramasse tout ça. En même temps, a-t-on besoin de heal tellement le tank envoie du lourd? Je sais pas. Il est bien stuffé en plus, donc ça envoie du lourd, c'est bien. Allez, j'aimerais bien que... Si je respecte... D'accord, il a respecté, ok. On est, bah voilà, un heal, un DPS, un tank. Voilà, on est le groupe parfait, j'ai envie de dire. Même si moi, j'en vois pas tellement de la source comme n'importe quel DPS. Je suis pas le plus fort, loin de là. Mais bon, c'est des petits niveaux en même temps, ils sont pas très très hauts. Hein. Ça va, ça, c'est pas les plus durs ennemis quoi. Heureusement encore, heureusement. Sinon imaginons si on est dans un donjon déjà un peu plus haut. Déjà à 4 ça serait peut-être pas trop passé, mais là à 3 avec un seul DPS, un tank, un heal, voilà, c'est pas comme si on avait une grande durée de vie quoi dans le donjon. Oh, ça envoie du lourd quand même, hein, le moine ça me donne des frissons tellement ça envoie du lourd. Hop. Quand tu veux mon petit loup, j'ai envie de t'appeler mon petit loup, je sais pas pourquoi j'ai envie de t'appeler mon petit loup, mon petit panda roux. C'est quand tu veux, tu envoies la sauce. Petit totem qui va bien avec
La petite chaîne d'éclair qui va également très très bien, très appréciable, hein, ce petit combo totem de magma avec la chaîne d'éclair, c'est vraiment super. Et je crois que je vais mettre encore un dot qui peut s'appliquer sur plusieurs cibles. Je sais plus si c'est celui-là ou celui-là. Je savais même pas que ça pouvait DPS à distance les moines. Pas mal, hein. Ça va être sympathique à jouer, ça me donne envie de reprendre le mien un petit peu, parce que ça je l'ai mis de côté. Finalement j'ai pas vraiment joué. Et pourtant ça envoie quand même, j'ai l'impression, ça envoie du lourd. C'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Après je pense que c'est une des classes les plus jouées en ce moment, le moine, hein, vu que ça s'est sorti il y a pas si longtemps, beaucoup de gens ont monté un moine, c'est comme le DK à l'époque, hein, finalement. Ce qui est tout à fait normal, les gens ont envie de connaître un petit peu les nouveautés, j'ai envie de dire. Boum, c'est parti. Il me semble que dès qu'on bat le boss là-bas, le donjon ça finit par contre. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Je bois un petit coup. J'ai soif. J'aime bien boire moi. Ouh, tout ce qu'il a gros, c'est bon ça. C'est bon ça. Il doit vraiment se faire plaisir avec son sort comme ça, c'est génial. Moi je m'éclaterai, hein. Je verrai tous les dégâts et tout que ça fait. Ça va être vraiment plaisant à jouer en plus moine. Un gameplay assez varié j'ai l'impression aussi. Ah j'ai pris un coup de bouclier, merde. Petite forme de pierre, on sait jamais. Je prends des dégâts. Ah c'est fat moine, hein. Moi j'adore. Comme le shaman, hein, j'adore aussi. Je prends vraiment goût à jouer ma classe maintenant. Je vais laisser passer devant le tank, ce qui est tout à fait normal. On va se concentrer un petit peu par contre, parce qu'on arrive bientôt vers le boss les amis. Je voudrais pas qu'on wipe par ma faute, ça serait dommage. On voudrait un petit peu déjà que tout à l'heure j'ai fait une petite connerie en bumpant des adversaires sur un groupe. Heureusement que c'est pas très grave. Dommage que Rikun ne marche pas, j'aurais été un petit peu intéressé de savoir mon DPS quand même, c'est sûr. J'ai pas une potion de mana qui traîne là parce que je suis un petit peu oum. Regardez ce qu'on va faire. Voilà, comme ça au moins j'ai bien géré le coup. C'est encore pas mal, hein. Petite chaîne d'éclair, on va essayer de les affaiblir encore un peu. Voilà, c'est bon. On arrive au boss, je suppose. On va voir si je suppose bien. Ouais, c'est là, c'est juste en bas. C'est elle. C'est elle le boss. Bon, je mets un crâne hein, comme ça, juste pour vous montrer. Hein, ça sert pas à grand chose. Je vais mettre mon totem ici. Puis je vais remonter. Je vais remonter pour DPS tranquillou ici. Comme ça moi je suis un petit peu en sécurité j'ai envie de dire. On va DPS les autres hein, d'abord. On fera le boss en dernier. J'ai mal pris ma cible pour changer j'ai envie de dire. Allez c'est parti, on va chaîner le boss maintenant. Oula attention le fire là-bas. Brûle mana, attention le heal là va ça brûler sa mana, c'est pas cool. Allez, on va régénérer un petit coup la mana. J'ai posé les totems qui vont bien. C'est vrai qu'il y a un seul DPS, c'est pas top, mais bon, le moine DPS vraiment bien je pense. Heureusement qu'il est là. Elle a beau lui brûler la mana, elle a quasiment mana infinie. La prêtresse, c'est génial. Ça a du lourd quand même, cette classe de prêtre là, j'adore. D'ailleurs, le Iron Man, hein, il va pas tarder à sortir, je pense. Je me suis pas encore motivé à refaire des vidéos. Donc on a toujours pas fini, hein, donc ça va encore durer un petit moment, j'ai l'impression. Cette histoire là.
Ouais. Bah écoutez, moi, on continue. Je sais pas, c'est comme vous voulez, hein. Moi, je vous suis bêtement, j'ai envie de dire. On va peut-être aller, je vais valider les quêtes déjà. Ah bah oui, on va kick le heal, on n'a pas vraiment le choix, c'est pas reconnecté, donc c'est tout à fait normal. Voilà. C'était l'abonné qui nous a lâché en plein donjon. C'est dommage, hein. Je vais aller valider les quêtes hein, pendant qu'on y est. Je faisais pas gros par contre. Peut-être plus passer par là parce que si je passe. Ah, il veut pas, il veut pas. Il veut pas aller valider les quêtes tout de suite. On va continuer. Moi personnellement, je pense pas que je vais continuer très longtemps par contre. Si on est que 3, ça, j'ai pas tellement envie. Oh là, j'aurais du lourd là. Ça proc, c'est bon ça. C'est génial quand ça proc. Moi, il n'y a que ça qui me dit en fait quand ça proc. Je suis super content quand je vois le petit truc, les flammes autour là, je speed sur le 3. Hop, c'est fait. Je pense qu'on va aller dans l'arène là. Enfin, une petite arène, un bidon, je vais me dire. Hop. Chaîne d'éclair. Le cycle peut paraître, comment dire, simple hein, comme ça, mais voilà, c'est le DPS du chaman. Après, j'espère qu'il y aura d'autres trucs quand même, ça plus intéressant à jouer. Mais c'est vrai que dans les packs, après, les classes se varient pas tellement finalement. C'est surtout des sortes de zones qu'il faut faire. Tout à fait normal, j'ai envie de dire. Allez, on va dans l'arène. Attendre le tank également, parce que si on passe les trucs, j'ai peur que ça. Que ça descende. Je sais pas où il est le boss. Ah si, il arrive. Enfin, c'est pas lui le boss, c'est il va nous faire pop des bestioles. Ils m'ont pas fait voler. Et moi je vole pas? Moi je compte pas là-dedans là? Que toute fureur soit lâchée et que tout. Et que tout finisse. Et ben dis donc, t'es motivé toi mon gars? T'as envie de nous montrer que t'es le maître ici hein? Sauf que ben, c'est trop tard, c'est mort. C'est nous les boss. Ici c'est nous. C'est pas toi. Niveau 50, on va les dépérir en 3 coups les trucs là. Ah, c'est chiant d'être 3 par contre là. Un petit peu dommage, je suis déçu on va dire. On aura quand même bien progressé dans la barre de niveau je pense. J'ai pas regardé au quel point j'avais commencé. Mais je pense qu'on a plutôt bien progressé dans cette barre. De toute façon on est 56, encore un niveau. Enfin 57 on est bientôt j'ai envie de dire et encore un niveau puis on bouge donc Ça va être plutôt plaisant, j'ai envie de dire, de bouger en notre terre. Ça va être super cool, vous allez voir, on va bien s'amuser. Moi, ça me motive vraiment beaucoup en plus, aller en notre terre, hein, je vous le cache pas. Ça me motive énormément. En tout cas, je sais pas si on refera des BG tout de suite. Hein. Les BG, pour l'instant, moi, ça me reste un petit peu à travers la gorge. Même si, bah, comme je vous dis, je m'en fous des rageux, hein, personnellement, mais c'est juste que voilà, c'est par principe. Je suis resté poli, eux non. Donc des fois il y a un petit peu de ça. Bon après moi je m'en fous hein, vous savez moi si je fais pas de BG c'est parce que tout simplement ça m'apporte pas grand chose finalement. Juste enfin vous aimez bien certes, mais moi personnellement les BG bon, moi je peux m'en passer, hein, y a pas de souci. Mais après vous voulez du contenu bah vous en aurez, y a pas de souci là-dessus. Oxor est présent pour ses abonnés, il sera toujours présent pour ses abonnés, y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Ce thème, ça serait intéressant de les mettre, Oxor. Faut les mettre. Ma petite voix intérieure qui me dit ça finalement. Oh, j'ai été banni. Bannissement pendant quelques secondes. Vilain. Tu es vilain comme bête de me bannir comme ça. C'est pas bien. On bannit pas Oxor. Ça proc les amis. On est là. Ah, ça fait plaisir quand ça proc comme ça. Moi j'aime bien. C'est mon.
C'est mon devoir, c'est la puissance du chaman. Ouh, que de la merde. Que de la merde. Bah donc, je sais pas quand c'est qu'il se finit ce donjon, mais... commence à être un petit peu long. Je sais pas comment vous en pensez, mais moi j'aime pas trop les donjons longs comme ça. Bon là je leur ai dit que j'allais quitter parce que je pense pas que ça va être aussi long. Normalement on fait juste là-bas puis c'est fini. Là je sais pas pourquoi mais le donjon est hyper long. Parce qu'on n'est pas parti au bon endroit déjà. C'est la ville haute qu'il fallait faire et la ville haute c'est pas là. C'est pas grave, on aura fait un petit donjon tranquillou. Je sais pas s'ils m'ont vu en même temps. Je parle en... Bon c'est pas grave, c'est une mauvaise, c'est pas grave. Je vais partir valider ma quête moi. Mais ils sont chiants ceux-là. Ah c'est un boss ça, d'accord, c'est pour ça. Ok. Je savais pas que c'était un boss. Tant pour moi les amis. Bon c'est juste qu'il était plus résistant que les autres, mais en fait c'était un boss tout simplement. Hé hé, on s'est fait avoir. Enfin je me suis fait avoir, peut-être pas vous, mais moi je me suis fait avoir. Je pensais pas du tout. J'aurais peut-être dû mettre mes totems également. Bouclier, pas besoin. Je vais valider ma quête tranquillement, calmement, paisiblement. Parce qu'on n'est pas parti au bon endroit. La ville haute, il me semblait pas que c'était par ici. Il me semblait plus qu'il fallait ouvrir la porte qui était sur, sur notre droite. Là, une petite porte. Juste là. Voilà, c'est celle-là qu'il faut ouvrir. Partir par là, il me semble. Ou sinon, on pouvait faire la reine également, mais faire la reine, monter les marches ensuite et pouvoir arriver à la ville haute. Mais après, je suis pas sûr. Je veux pas dire je suis à 100% parce que c'est pas le cas. Mais il me semble que dans mes souvenirs les plus lointains, c'était ça. Donc bon, c'est pas grave, on aura fait un petit donjon, on aura fait quelques boss tranquillement. L'abonné, malheureusement, il s'est déco, donc on peut pas continuer avec lui. Et on vous a pu constater qu'on est resté quand même pas mal de temps à 3. Ce qui est, on va dire, assez dommage quand même quand on fait un donjon. 7000 points d'expérience, autant dire que c'était quasiment rien. Mais écoutez, pour me faire pardonner de ce fiasco en donjon, enfin fiasco, lui et non, parce qu'on s'est plutôt bien sorti, on va aller faire une petite quête. On va aller faire une petite quête, les amis, qui est juste... on va faire la 3. Je vais faire la 3. Récupérer une amulette. Elle va nous donner pas mal de points d'expérience. J'espère qu'on va monter en niveau grâce à ça. Comme ça, c'est à 57. Et comme ça, eh ben, on aura un seul niveau à réaliser avant de pouvoir partir donc en Outre-Terre. Moi, je suis vraiment pressé. Dites-moi si vous êtes pressé aussi d'être en Outre-Terre. Dites-moi par commentaire si vous l'êtes également. Moi, je suis comme un petit fou. Hein. Franchement, je vous le dis sincèrement. Quand on va traverser la porte, je vais être un fifou. Moi, je vous le dis sincèrement. Par contre, où est-ce que se situe ce truc là? J'espère que j'ai le gros pas tout ce qui bouge là. C'est un peu dommage. Je crois qu'il est dans le bateau. Hein. On peut dire de bêtises, mais il me semble. Il doit être sur quelqu'un, je suppose. J'ai aggro quelque chose qui me touche par le dessous alors qu'il n'est pas du tout à côté de moi. C'est quand même assez dommage, j'ai envie de dire. C'est quoi cette merde là-haut? C'est quoi ce bug? Chiant ça, quand ça fait ça. C'est les bugs de WoW, j'ai envie de dire. Hein. C'est souvent les mêmes en plus. Petit heal parce que si on crève, ça craint. Hop. Où est-ce qu'il est ce collier là? Ou je sais pas quoi. Tous les coups, il est vraiment dans le bateau là. Je suis quasiment sûr à 100%, j'ai envie de dire. On va y aller, de toute façon, on n'a pas le choix. Putain, ils ont pas mal de points de vie quand même. 5000 points de vie là, ça commence à parler un peu plus. Mais j'ai pas de proc donc forcément. Voilà, ça a proc là d'un coup. Il fait moins le fier, hein, le petit boucre là. Hop, c'est fait. Par où je peux descendre? Par là. Voilà, super.
Ah bah tiens, hop. Tête de grulle. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? D'accord, fallait le zigouiller. Moi je pensais pas, moi. Moi je pensais pouvoir récupérer le truc, moi. En fait non, il faut le zigouiller. On va le zigouiller, qu'est-ce qu'il y a? Pas de problème. Oh, il fait mal. Il fait très mal même. Imaginez là avec le prêtre là, mode Iron Man ici là. C'est même pas la peine, ça passe pas. On meurt là. Si on connaît pas les quêtes par cœur, on meurt. Avec un seul sort en plus, aucun stuff et tout, ça va être galère, 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 galère. Je me demande même dans quelle aventure je me suis embarqué avec vous. Mais bon. On aime bien, on est là pour le fun surtout. Et ben voilà, on l'a eu. On va aller valider tout ça. J'espère que ça suffira pour tout simplement passer un niveau. Au pire des cas, j'ai juste une quête à faire dans la grotte également. Donc on la fera également si c'est pas suffisant. On esquive tout. Wouah, j'ai reçu le truc dans la tête. Je sais pas si vous avez vu des trucs qui sont venus me faucher. C'est assez impressionnant. Hop, hop, hop. Je me trompe de chemin, ça va pas le faire. Oui, je sais, je vais être en combat, je pourrais pas prendre le truc. Très certainement, j'ai envie de dire. Si je peux. Waouh, la classe. La grande, grande classe. Non, ça marche pas. Eh ouais, c'est con, c'est triste. Ça sera fail, un peu plus. Et vu que je fail, je vais faire un truc que les rageux n'aiment pas. Je backpédale. Oh oui, je backpédale. Je sais qu'ils aiment pas ça, les rageux, et moi j'aime bien, ça me fait plaisir de leur foutre la rage encore plus. Voilà, Cassim. Mon petit Cassim, mon petit cassoulet. Tiens, l'amulette. Que me donnes-tu? Oh, c'est beau tout ça. Non. 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 Bon, on va prendre le truc qu'ils ont le plus cher. Ça. Hop. Oh, il manque rien du tout. Il manque un petit poil de cul. On va aller récupérer l'amulette, le tout truc comme ça. Ça sera fait. Attends, on arrive bientôt à 30 minutes de vidéo, les amis. 30 minutes de vidéo. Pouah, c'est pas la peine. Ça va être chaud. Le montage va être long. Non, je rigole. Non, c'est bon ça. Ça prend pas non plus 10 ans, quoi, j'ai envie de dire, c'est plutôt tranquille. C'est vrai que j'aime bien vous donner des vidéos un peu plus courtes, parce que ben, je sais pas si vous pouvez des fois regarder en entier, en une fois ou deux fois. Donc c'est pour ça que je préfère des fois vous donner des vidéos un tout petit peu plus courtes, histoire de... Donc celle-là, elle aurait été plutôt, on va dire, il y aura quand même pas mal de trucs qui sont passés. On a fait un donjon, on a fait quelques quêtes. Donc ça va, il y a plutôt une bonne réussite dans cet épisode numéro 56. L'épisode 57, ça sera donc bah, tout simplement l'épisode où on va peut-être bientôt rentrer en notre terre. Enfin, je dirais plus le 58-59 où on va enfin rentrer là-bas. Mais ça va quand même se faire assez vite, rassurez-vous. Je pensais que j'avais encore mon pro. Oh, faut que je me soigne. Faut que je me soigne, sinon je vais crever. Hey! T'es violent toi avec tes pouvoirs magiques là. Mais merde, moi je poule alors que je suis même pas full vie quoi. Je suis un animal. Je ne réfléchis pas. Oh, il a pris cher lui. Il a pris deux procs là. Je sais pas où il est là, ce truc là, ça m'énerve un peu. Il est au fond, mais je pense que je vais pex avant d'aller le ramasser, donc ça sert pas à grand chose. Je pense ça dans le prochain épisode. J'ai juste envie de monter un niveau en fait là, c'est tout simplement ça le délire. Je vais monter ce niveau enfin. Hé, écoute-moi bien toi. Tu vois toi t'es un rageux en fait. Tu me bumps parce que t'es un rageux. Moi aussi je suis rageux, moi aussi je sais bump, hein, regarde, hop. Tu vois ça? En plus t'es un mort-vivant, tu ressembles à rien. Non, je rigole. J'ai rien contre la horde. Je pense sincèrement, j'ai rien contre vous. Moi, vous êtes des amis pour moi. Tous mes abonnés sont mes amis. Allez, c'est parti. 57, les amis. On va aller rejoindre le petit Cassim. On va manger son petit cassoulet. Et ben écoutez, on est niveau 57. Encore un niveau. Et on est prêt pour l'outre-terre.
Donc écoutez les amis, on va s'arrêter ici pour cet épisode là. On se retrouve pour l'épisode numéro 57 il me semble, si j'ai pas de bêtises. Portez-vous bien. Et moi je vous fais plein de gros bisous. Allez, salut tout le monde, ciao.